Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Bookcast. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo pour YouTube. Je suis désolée. Un peu le manque de temps parce que bah, pour moi là c'est la fin d'année, on est début novembre, on est le 6 novembre là au moment où je tourne. Donc en librairie c'est la grosse période, on reçoit beaucoup de choses, et puis je suis assez fatiguée, je lis un petit peu moins vite, etc. Et puis il y a aussi le fait que, comme je vous en avais parlé au tout premier Bookcast, je crois, j'ai créé un compte TikTok, à la base c'était par curiosité, et ensuite je me suis un petit peu lancée dedans aussi, parce que à mon travail, j'ai eu droit à une formation TikTok pour promouvoir les livres. En fait c'était un projet BookTok Rentrée Littéraire 2022, donc j'ai assisté à cette petite formation, et je me suis lancée. Donc si vous voulez aller voir mon compte TikTok et les vidéos que je fais dessus, et bien c'est la Minute Mad, c'est très simple, la Minute Mad, comme ici. Mais tout de suite, on va commencer le Bookcast, parce que ça peut durer très longtemps. Je vais vous en préparer plusieurs là, parce que j'ai sélectionné les livres par thème, plus ou moins. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Blackwater. C'est l'épique saga de la famille Casquet, hein, le sous-titre exact. Je vous avais parlé des tomes 1 et 2 dans une autre vidéo que je vous invite à aller regarder, parce que je ne vais pas reparler des tomes 1 et 2, ce serait un peu dommage. Allez voir donc cette vidéo. Je parlais d'autres livres dedans, mais vous pourrez regarder juste la partie qui concerne ces tomes-là. Et je vais donc commencer par le tome 3 qui s'appelle La Maison. Donc cette saga, elle a été écrite fin des années 80 ou 90 par Michael McDowell, et en France, de manière assez inédite, c'est sorti chez aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, en version poche, dans des très belles éditions comme vous pouvez voir. Les couvertures sont magnifiques. Et les couvertures résument à chaque fois un petit peu le livre entier, plein de détails, etc. Et donc La Maison, ça va parler donc de la maison d'Elinor et d'Oscar, qu'ils ont fait construire à partir du tome 2, je crois. Donc La Maison, c'est le tome 3 de la saga familiale et fantastique. Et dans cette maison, dans cette demeure, Oscar et Elinor vivent avec leur plus jeune fille, Frances, parce que l'aînée Myriam, ils l'ont échangée avec la mère d'Oscar, Mary Love, pour avoir cette maison, pour obtenir la maison. C'est une sorte d'échange, ça se fait beaucoup dans Blackwater, c'est assez bizarre. On avait déjà vu dans le tome 2 qu'il y a des choses, à la fin du tome 2, hein, que des choses bizarres se passaient dans la maison. Et là, on a vraiment confirmation. Je vous en parle pas parce que ça serait un petit peu gâcher le plaisir. On est vraiment dans du fantastique, hein. Un peu Lovecraft, Stephen King, tout ça. Je vous avais déjà dit que cette saga-là, c'était un petit peu comme si Stephen King avait écrit Dallas au temps de Lovecraft. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est aussi une saga familiale parce qu'on suit le clan des Casquets pendant plusieurs années. Ils vivent les uns à côté des autres, au bord de la rivière Perdido et de sa digue, la nouvelle digue, dont il est question dans le tome 2. On a de la rivalité, enfin des rivalités, de la rancœur, de la jalousie, de la vengeance, des pièges. Alors, tout est bon pour se tirer dans les pattes tant que les habitants du village ne puissent pas penser du mal de la famille. Parce que de temps en temps, on a « Ah oui, les habitants vont penser ça », etc. On parle du clan de la famille Casquet, mais à l'intérieur, il y a pas mal de dissensions en fait. Et le clan, bah, il oppose Elinor, la belle-fille, et Mary Love, la mère d'Oscar. Et donc on arrive dans ce troisième volume à une sorte de climax dans cette rivalité. Et on a aussi le côté fantastique. On en apprend un petit peu plus sur Elinor, sur ses pouvoirs, quoi, un rapport avec la rivière Perdido. Et puis donc sur la maison qui abrite quelque chose de très inquiétant. Et encore maintenant, donc ce tome-là, le tome 3, il a tout du roman gothique. Hein, la demeure mystérieuse, les non-dits, les secrets de famille, la femme énigmatique. Et l'évolution des personnages sur plusieurs années fait aussi qu'on a envie de savoir un peu à chaque fois davantage ce qui va se passer pour eux, et surtout les plans d'Elinor. Le tome 4 maintenant, qui s'appelle La Guerre, il débute en 1938. C'est à peu près 20 ans après le début de la saga, après le tome 1 en fait. Et cette fois-ci, ça concerne un petit peu plus la génération suivante, c'est-à-dire les filles, par exemple, d'Oscar et d'Elinor, etc. Myriam, Frances, Lucille, Danjo. C'est des personnages qu'on a déjà rencontrés avant, hein, et c'est des ados qui passent à l'âge de jeune adulte. Quand on connaît forcément le titre de ce tome 4, depuis longtemps, hein, parce qu'ils ont annoncé tous les titres à l'avance, on pouvait se douter qu'une partie des projets d'Elinor, hein, parce que qui dit guerre dans les années 40, dit regain d'activité pour une scierie, hein, parce qu'ils ont une scierie, la famille Casquet, et donc expansion de la richesse de la famille. On voit à peu près où voulait aussi en venir Elinor, et le petit village où ils habitent, enfin le petit village, la petite ville où ils habitent, Perdido,
commence à rentrer dans une ère de modernité. Et dans cet opus, tout semble se dérouler un petit peu mieux que les autres fois. Pour le clan Casquet, en tout cas, ils sont plus heureux, ils sont plus liés les uns aux autres, ils s'entraident, ils sont plus ouverts aux autres. Comme si la mort d'un des personnages, je ne vous dis pas lequel, parce que ça serait spoiler, dans le tome 3, les avait libérés. Et l'aspect matriarcal de la famille est à nouveau mis en valeur. On l'avait peut-être perdu un petit peu dans le tome 3. Et on constate vraiment que les héritages, par exemple grand-mère ou mère, petite fille, fille, qu'ils soient psychologiques, génétiques, ou alors juste le destin, sont beaucoup plus mis en valeur dans ce tome-là. Et on découvre aussi que la fille, la plus petite fille d'Elinor, Frances, est un autre plan d'Elinor, justement, et ça perpétue l'aspect fantastique de la saga. Et le tome 5, maintenant, le tome 5 qui s'appelle La Fortune. Donc là, on commence en 1946, c'est 27 ans après le début de la saga. 27 ans après le début de la grande crue qui a incité les habitants de Perdido à construire la digue, et on retrouve les membres de la famille Casquet après la guerre. Alors il y en a pas mal qui sont morts, la scierie va commencer à décliner un petit peu parce que qui dit fin de la guerre, bah, dit fin des commandes. Et donc il va falloir pour eux trouver d'autres moyens de s'enrichir, hein, parce que c'est un peu Dallas, hein, c'est même beaucoup Dallas. Grâce à Elinor et à sa connaissance de la rivière et puis des environs, en fait, le clan Casquet va faire, comme le dit le titre, fortune. Et encore plus qu'avec la Syrie. Donc là, vraiment, on est dans Dallas. C'est un petit peu comme si c'était les débuts de la famille Wing, en fait. Et tous les éléments qu'on avait déjà au début de la saga se sont développés, le côté fantastique. Et donc cet opus-là, le tome 4, La Fortune, me conforte dans l'idée dont je vous parlais tout à l'heure de Stephen King qui aurait écrit Dallas, parce que bah, on a le côté fantastique qui est toujours très présent. On a le côté capitalisme, rêve américain, famille riche, etc. Et alors, il y a juste dans ce tome-là, les rivalités dans la famille qui se sont pas mal atténuées, il n'y a quasiment plus de rivalité, mais en fait c'est pour mieux rentrer dans l'aspect fantastico-mythologique qui était, alors on le voyait, on le sentait, mais il n'était pas tout le temps présent. Là, on le ressent bien quand même. Et donc voilà, tout va bien pour la famille, richesse, retrouvailles, reconnaissance, un peu comme le tome d'avant. Et pourtant, il y a un des personnages qui avait l'air très sage, très, très doux et tout ça, qui évolue un petit peu dans un sens particulier. Je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas comment, mais voilà. Donc, bientôt la fin avec Pluie, le tome 6. Et Pluie, alors il porte bien son nom parce que, voilà, c'est le cycle, comme le cycle de l'eau, ça referme la série en fait. Et il porte beaucoup plus celui-ci sur la vieillesse des personnages. Il n'en reste plus beaucoup qui étaient là, qui étaient présents au tout début, parce que ça doit se passer dans les années, ça va jusque dans les années 70, je crois. Voilà, c'est vraiment l'opus qui referme toute la saga, mais vraiment. Il porte aussi beaucoup sur l'habitude étrange qu'ont les membres de cette famille à s'échanger des enfants, à se donner des enfants, comme si c'était une monnaie d'échange, en fait, c'est un peu malaisant. On a aussi beaucoup d'effets miroirs, j'ai envie de dire. Ça fait un gros effet miroir avec le tome 1. Par exemple, on sortait de la guerre, la Première Guerre mondiale, dans le tome 1, et là, bah oui, ça va jusque dans les années 70, mais ça commence pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aussi un roman, alors sans que je vous raconte la fin, qui souligne pas mal la superficialité du matérialisme. On a suivi les membres de la famille Casquet pendant plus de 50 ans. C'est un peu difficile de s'en séparer. C'est un peu l'effet feuilleton, hein, qui fait ça. On se rapproche avec les personnages, un peu comme dans une série télé, hein, quand on s'accroche un petit peu aux personnages, ça devient presque des membres de la famille, on va dire. On les voit grandir, changer, évoluer. Puis on visite aussi une partie du XXe siècle aux États-Unis, en tout cas, parce qu'on traverse les guerres et tout ça. C'est une sorte de voyage dans le temps pour nous, pour nous qui sommes maintenant au XXIe siècle. Et puis, donc voilà, c'est la saga familiale et fantastique, et historique pour le coup. Et un petit peu mythologique, j'ai envie de dire. J'aurais quand même aimé avoir un twist un petit peu plus étonnant, on va dire. Là, ça se referme de manière touchante, mais presque trop sage. Voilà, donc bon, pourquoi pas, mais oui, il n'y a pas de twist en fait. Ouais. Vous, est-ce que vous avez lu la saga Blackwater, ou est-ce que vous avez commencé? Voilà, c'était tout. À bientôt sur ce Bonne Lecture.